Meanwhile, earlier this week, the two finalists in the presidential race faced off in a live televised debate. The debate was intense, it was dramatic, but on the flip side was also termed as a far more civilized exchange than their previous encounter 5 years ago. So here are some of the highlights of this televised showdown. Take a look. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Mme Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends, parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français, toujours, en toutes circonstances. Sur laquelle vous n'êtes pas clair. Votre projet, quand on remet brique à brique les choses en place, c'est un projet qui ne dit pas son nom, mais qui consiste à faire sortir de l'Europe. Il y a un nom, il s'appelle l'Europe des Nations. Oui, mais enfin, si c'est plus l'Union Européenne, vous sortez de l'Union Européenne, Mme Le Pen. Non, mais pardon de vous le dire. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est une copropriété. Donc à un moment donné, dans une copropriété, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, ça ne s'appelle plus la copropriété, ça s'appelle, comme j'ai dit, beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Mme Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serais très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. Bien, une question sur non, mais... Beyond World is One is now available in your country. Download the app now and get all the news updates on the move.